Je pars pour la côte. Planquez-vous, j'arrive. Je suis la garce la plus cool qui soit. Avec les mecs, je suis une menthe religieuse. Yeah, baby, yeah. C'est quoi ça? Oh, je m'ennuie beaucoup. Qu'est-ce que nous ferons aujourd'hui? Faisons la fête. Oh non, je suis fatiguée de faire la fête. Oh, oh. Qu'est-ce qui se passe avec les lumières? Qui a payé la note d'électricité? Pas moi. Pas moi. Pas moi. Je ne peux pas croire que personne n'a payé pas la note d'électricité. J'habite avec les personnes stupides et paresseuses. Il faut que nous cherchions des postes immédiatement, parce que nous sommes tous au chômage. Regardez sa petite annonce. Un poste pour vendre de la glace. Posons-nous notre candidature. Il y a un entretien à vendredi. Allons-y. Bonjour. Pourquoi vous avez posé sa candidature? Parce que nous voulons de l'argent. Quel est le salaire? 10 dollars par heure. D'accord. Il faut que je cherche ses CV. Ah, d'accord. Vous avez la poste. Je déteste cette poste. Moi aussi. Oh, c'est le temps de Noël aujourd'hui, sure. Je suis content, mais je suis dégoûté avec le Père Noël. Il est gros et de petite taille et il est une grande lade barbe blanche. Blah. Il porte des lunettes, très bizarre, et il a les joues rouges. Il est nécessaire qu'il ait une transformation. Je ne veux pas réveiller cette année. Je voudrais aller à la fête ce soir. Non. Je suis la mère de Noël et il est nécessaire que nous décorions l'arbre de Noël et chantons chante Noël et célébrer le réveillon. Oui, et la chose que la plus importante est que nous nous donnions le cadeau de Noël. Oh oui, le cadeau. Oui, j'ai le cadeau pour tout le monde. Pour Sammy, j'ai un homme qui a les cheveux ondulés et bruns et qui est très sexy pour toi. Ouh là là! Oh oui! Et pour J-Wow, j'ai les vêtements qui est très mignon. Et pour moi, j'ai une nouvelle voiture! Oh, c'est fantastique! Joyeux Noël! Oh là là, cette semaine un nouvel homme est arrivé à la maison. Il s'appelle Nicolas et il est très petit pour un homme. Oh là là, les shorts de l'homme, vraiment? Il est plus grand pour ses shorts qui est très petite. Oui, le nouvel homme est très bizarre. Et aussi, il est muet. Il ne parle jamais. C'est bizarre. Oui. Salut, Nicolas. Tu me comprends? Non? Oh, c'est bien. Il est possible que tu m'aimes si tu ne parles pas le français. Tout le monde m'aime. Je pense que Sammy pense que Nicolas l'aime, mais Nicolas n'a pas d'idée que Sammy parle. Oui, Sammy est fou parce que Nicolas m'aime. Si Nicolas pouvait parler, il y aurait une coupe de foudre pour Nicolas et moi.
Tout le monde est faux parce que Nicolas m'aime. Sammy et Jaywell, ça c'est mon amie Bianca. Bonjour, vous êtes prête pour une fête? Elle est très impolie. Elle a mangé avec beaucoup de nourriture avec la bouche ouverte. Et elle a les coudes sur la table. Elle s'est ennuyée avec les lèvres avec le dos de la main. Et elle a parlé quand elle mangeait. Bianca, qu'est-ce que tu fais? J'ai pensé que si j'ai invité Bianca, Jaywell et Sammy, Louis aimerait. Mais non. Éventuellement, nous avons quitté parce que les employés du restaurant nous demandent de quitter. Bianca est stupide. Oui. Elle n'a pas utilisé de serviette. Et les autres personnes nous ont regardé parce qu'elle a fait beaucoup de bruit. Dans la salle de bain, elle a risqué à la première place dans la queue. Et très dégoûtant, elle ne s'est pas lavé les mains. Après, elle a utilisé la toilette. Bianca, je te déteste. Je ne t'inviterai pas pour aller avec moi et mes amis jamais. Tu es stupide. Les personnes qui me détestent vont me détester. Au revoir. Il est nécessaire que tu quittes ce moment. Je voudrais donner un coup de poing. Bianca, qu'est-ce que tu fais? Oh, Bianca, je te déteste. Je ne veux Sorry.